quelle est la situation par rapport à tout ce qui peut passer vraiment au sein donc, du mouvement de on va être bref pour dire que ce matin, on est venu pour se faire enregistrer le mouvement patriotique pour être sur la liste des partis qui vont se confronter aux prochaines législatives, aux élections générales qui vont venir. Donc, on va bien faire ressortir que, vu que Yacine Amat finissait bien une mise en demeure contre moi et Atma Bama, et que moi, Atma Bama, finissait bien une mise en demeure contre l'autre parti, c'est-à-dire Yacine Amat, Alan Ganou et consorts. Donc, évidemment, les partis de nous, qui le commissaire électoral, peut attendre que l'affaire soit tranchée au niveau judiciaire. Donc, nous avons 3 jours devant nous. Donc, vous pensez que probablement la partie judiciaire va faire diligence pour que ça soit tranché avant que ces 3 jours délégués de nous pour faire l'enregistrement soient expirés. Donc, une annonce l'Alliance CR, Parti Travailliste, PMSD et Mouvement Patriotique, Mouvement Patriotique, ça c'est sûr, c'est Mouvement Patriotique. Parce que maintenant, plus simple, il joue un peu plus pour le mot sur Jean-Claude Bobby, Atma Bama. Ben, écoutez, vous pensez que l'idée du Parti Travailliste est en courant de la situation actuelle. Mais c'est un légiste, hein, c'est un avocat. Donc, évidemment, le prudent, quand il avance, il ne voulait pas dire les choses d'une façon concrète tant que l'affaire n'est pas tranchée. Donc, c'est normal. Hein. Une annonce 4 tickets, nous carrions les noms des 4 heureux de. Ben, on n'a pas encore finalisé. Donc nous pour laisser le soin à l'équipe et aux leaders du Parti Travailliste en conséquence de tout bas les autres détails qui normalement ne sont pas en considération. La première sortie, c'est à Flac. Est-ce que pour prendre la parole lors de sa première grande meeting national? À ce stade, on peut dire qu'on va encore que nous vous présentons. Point à la ligne. Ok, merci.